le sociétaire du Boxing Club Ajaxien est cueilli d'entrée. Koutoli est compté deux fois dans la première reprise. Mais contre toute attente, dans la foulée, Koutoli place alors un contre en crochet du droit dévastateur. Le combat est complètement relancé. N'énerve pas, ne jette pas. Quand tu vas, tu fais seulement y aller, tu vas pas et pim, tu piques le jus. D'un arbamique. On assiste alors à une véritable épreuve de force. Koutoli, comme son adversaire venu de Montpellier, ne lâche rien. Chacun prenant tour à tour l'avantage. On le croit déterminant avant que l'autre ne ressurgisse. Un combat indécis, un combat dur. Mais c'est Koutoli qui fait montre de la plus grande détermination. Il s'impose aussi, sans doute, grâce à une meilleure préparation physique. Une victoire au courage, après avoir été compté deux fois. Une histoire qui lance véritablement le gala. Place maintenant à Dimitri Gourier en moins de 75 kilos. Troisième combat chez les professionnels. Short noir, sociétaire lui aussi du BCA. Son adversaire est un Bulgare, fort d'une trentaine de combats. Gourier est appliqué, travaille bien, en haut, en bas, ne se jette pas inconsidérément, construit, suit les consignes de son entraîneur. Jusqu'à maintenant, tu as bien travaillé. Ne cherche pas le chaos, il va venir tout seul. Voilà. Ouais, mais ne reste pas arrêté, hein. Tu as compris? Au terme des 4 rounds, Gourier va chercher une victoire probante contre un adversaire d'expérience encourageant. C'était pas un champion techniquement, mais on voit que le mec il a beaucoup de combats, il tient les coups, hein. il supporte les coups, il a l'habitude. Hein. On a le sentiment que vous progressez quand même à chacune de vos sorties, que vous écoutez bien votre coach. Ouais, j'écoute bien parce que là faut gérer les combats et encore un, peut-être après ça va être 6 rounds et là j'ai senti que même préparé physiquement, faut gérer quoi. Il n'empêche, le public Bastia est essentiellement venu pour lui. Joseph-Antoine Legato, engagé dans son sixième combat professionnel en super moyen contre un Estonien qui, chacun va s'en apercevoir, n'est pas venu que pour la bourse. Banoff est plus grand, plus lourd, Legato doit cadrer, s'approcher avant de lâcher ses coups. Ici, le désaxe bien est remise. Ébranlé, son adversaire est l'auteur d'un mauvais geste. Et le public, comme Joseph-Antoine, de s'enflammer quelque peu. Quand tu l'as touché comme ça, ne t'affole pas, n'écoute pas le public. Qu'est-ce que tu t'écoutes? Allez, allez, non! Tu le recadres et tu attends, attends quelques secondes, ça suffit. Avec intelligence, Legato installe alors sa boxe, varie et commence à poser beaucoup de problèmes à son adversaire ici. Il pique au foie et l'Estonien, pourtant décidé à faire valoir son courage, met genou à terre. Legato voudrait finir, avance, touche. En vain, l'Estonien résiste. Mais Legato et son encadrement ont trouvé ce qu'ils recherchaient, un combat dur en 6 reprises, une nouvelle marche de franchie. Et je pensais pas partir aussi vite déjà. Donc c'est plus dur. Ouais. 2 rounds en plus, c'est dur. Surtout face à un adversaire aussi coriace. Ouais, il a été du coriace, franchement, il a été coriace, la tête dure encore une fois. Et il avait quand même un peu de vis quelquefois, donc non, un bon adversaire, je suis content d'avoir gagné. Legato, Gourier, deux boxeurs qui ne sont pas dotés de qualités naturelles hors normes, mais deux combattants exigeants qui, dans le sillage de leur club, avancent patiemment et qui forcent le respect. Deux hommes qui se forgent un public avant peut-être de viser des titres.